Sénégalais, Sénégalaises, chers compatriotes, je vous salue. La Commission nationale de recensement des votes vient de délivrer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette élection a été rendue possible grâce à la mobilisation du peuple sénégalais, évidemment avec la prière et l'accompagnement de nos guides religieux et de nos autorités coutumières, dans le calme et la sérénité. Preuve de sa maturité et son attachement aux règles démocratiques et au suffrage universel. Cette voix du peuple sénégalais reste la seule vérité. C'est la raison pour laquelle son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d'une nation visant à protéger, à porter préjudice à la libre expression du suffrage ont été enregistrés. Ce scrutin a été piégé en amont d'abord du processus électoral, conduit de façon cavalière et au cours des opérations électorales, notamment par la création illégale de bureaux de vote, y compris le jour du scrutin, le dépassement du nombre d'électeurs par bureau, le gonflement artificiel de la population électorale et d'autres illégalités sur lesquelles le déclat de campagne reviendra plus en plus long. Même si nous saluons la forte mobilisation de l'opposition et des électeurs acquis à notre cause, force est de constater que des milliers de Sénégalais se sont vus privés de leur droit de voter. Des milliers d'autres ont vu leur bureau de vote, être changé à la dernière minute. De surcroît, certaines mobilisations observées durant cette campagne auraient justifié que le président sortant, candidat à sa propre réélection, soit tenu en ballotage aux quatre coins du Sénégal par une opposition, certes limitée dans ses moyens financiers, mais qui s'est vue propulsée au devant, dans les régions les plus stratégiques d'une élection, par un peuple conscient et intégré, dignement déterminé à rompre les chaînes d'un système terni par tant d'années de corruption au détriment des couches les plus vulnérables du Sénégal. Malgré tout, nous constatons que le président sortant est déclaré élu dès le premier tour à 58,27%. C'est donc tout naturellement que tous les candidats de l'opposition, les quatre candidats réunis, ont rejeté ces résultats. Le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur. La démocratie en a pris un coup, il faut le regretter et se tenir prêt. Il convient donc dans l'urgence absolue que l'opposition et toutes les forces démocratiques de notre pays
s'attelle à exiger et obtenir les réformes indispensables pour consolider la démocratie dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Permettez-moi donc, chers hommes et femmes des médias, vous à qui je rends un hommage pour votre dynamisme durant cette campagne, en particulier ceux qui m'ont accompagné. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous réunit ici aujourd'hui dans un climat pacifique et qui nous a donné la force, l'énergie et la santé d'aller à la rencontre, de nos compatriotes aux quatre coins du Sénégal durant cette longue campagne électorale. Pendant les semaines, nous avons parcouru l'étendue du territoire sénégalais pour nous rendre compte davantage du potentiel immense de nos terres, même arides, mais surtout, nous avons constaté de visu la bravoure de nos chers compatriotes, jeunes, âgés, moins jeunes, hommes, femmes, partout, le citoyen sénégalais s'est distingué par sa détermination à surmonter les épreuves du quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille. Que ce soit la femme qui marche sous le soleil des kilomètres pour puiser de l'eau pour le repas de midi ou simplement pour arroser son champ, l'élève qui parcourt des kilomètres le montre vite pour arriver épuisé en cours, les braves ouvriers qui, malgré la pénibilité de leur métier, refusent d'abandonner. Partout, nous avons vu la souffrance, mais nous avons vu aussi l'espérance. Jusqu'à des heures tardives parfois, même jusqu'à 2h du matin, notre convoi a été accueilli par des milliers de Sénégalais assoiffés de changement. De Dakar à Bignona, de Thiès à Matam, de Dagana à Kédougou, nous avons entendu battre le cœur du peuple sénégalais. Partout, notre constat a été le même. Les Sénégalais sont dignes, les Sénégalais sont braves, les Sénégalais sont tenaces, les Sénégalais sont courageux et ce, malgré la misère, malgré la difficulté, malgré l'inquiétude dans laquelle le système les a oubliés. J'aimerais avant toute chose vous exprimer toute la fierté que j'ai d'appartenir à ce peuple. C'est mon envie de voir ce peuple sortir de la précarité qui explique tous mes combats, tous mes sacrifices à ce peuple sénégalais d'ici et de la diaspora. J'aimerais transmettre mes remerciements les plus émus face à leur engagement sans faillite, leur courage, leur abnégation, mais surtout pour leur soutien indéfectible. Je leur en serai éternellement reconnaissant et je prie le bon Dieu de les aider à surmonter tous les obstacles à leur réussite par la voie du travail et de la foi. Prenant en compte le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises, seule finalité de mon combat politique, je voudrais rappeler que nous avons toujours tenu à proposer au peuple sénégalais un projet de société fondé sur les exigences de la démocratie, de paix et de développement durable dans la transparence et le respect de l'éthique républicaine. Nous l'avons largement développé durant la campagne électorale et des centaines de milliers de nos compatriotes d'ici et de la diaspora, ont porté leur choix sur nous, exprimant ainsi à la fois un formidable satisfaction et une invite solennelle à poursuivre le combat dans la voie que nous avons empruntée. Nous ne les décevrons pas. C'est donc le lieu pour moi de réitérer mes remerciements et de féliciter tout d'abord l'ensemble de nos électeurs, notamment les militants et sympathisants, les jeunes en particulier. En plus de porter leur choix sur nous, ils ont fait preuve d'une affection touchante, d'une confiance rassurante et d'une détermination sans limite pour faire triompher notre cause commune, n'hésitant pas à mettre leurs maigres moyens financiers et matériels pour prendre en charge les besoins de la campagne électorale. Je profite de cette occasion pour réitérer mon engagement à leur côté pour l'émancipation économique du Sénégal et le progrès social de la jeunesse. J'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cette tranche de la population dont la mobilisation historique aura permis de dépasser le seuil des 60% de participation. Leur mobilisation citoyenne, je dirais même patriotique, au cours de ces élections a démontré la suffisance
que la jeunesse de notre pays est plus que jamais déterminée à jouer sa partition dans la construction d'une nation forte, souveraine et intègre. J'aimerais les féliciter, j'aurais aimé le faire individuellement, les saluer personnellement car j'ai été profondément touché par leur bravoure durant cette campagne. Ils ont frappé à des portes inconnues. Ils ont appelé des numéros inconnus. Ils ont été les vrais acteurs de cette campagne et c'est eux qu'il faut féliciter. À cette jeunesse de mon pays, j'indique l'avenir va dire qui les attend, sous peu de temps, bien évidemment. Je leur demande de continuer à croire en eux, à leur pays. Je les exhorte au travail, à la citoyenneté, à l'excellence académique. Et je leur demande de mettre également cette énergie patriotique au service de leur communauté, afin qu'ils puissent aider à l'essor de leur terroir, de leur localité. J'aimerais remercier les femmes qui ont été des milliers à nous soutenir. Elles sont braves, elles sont courageuses. Elles sont nos mères, nos sœurs et nos épouses. Nous continuerons à nous battre pour elles. Je tiens à remercier la diaspora, ces Sénégalais vivant à l'étranger, mais œuvrant à l'intérieur du pays à des niveaux insoupçonnés. Ils sont généreux. Leur cœur bat pour le pays. Ils vivent pour leur famille. Nous devons davantage les accompagner et ils continueront à inspirer mon combat. Nous avons remarqué que dans le cœur et dans l'expression de leur suffrage, la dose patriotique s'est exprimée plus que dans toute autre catégorie du Sénégal. À tous, j'exprime mes sincères remerciements pour votre soutien infaillible durant cette campagne. Et j'entends dans les jours à venir me rendre personnellement auprès de chacun d'entre vous dans le cadre d'une tournée nationale et internationale pour renouveler et raffermir le pacte patriotique qui nous lie. Permettez-moi également de remercier les grands acteurs de cette campagne. Oui, il me plaît de magnifier l'apport positif des membres de la coalition Sonko Président et de tous nos alliés, affichés ou non, pour notre conviction, leur loyauté et leur engagement sans faille pour nos projets communs. Quant à l'équipe de campagne, dans ses différentes composantes, de l'équipe administrative à l'équipe technique, l'équipe sur le terrain, tout le monde, par son dévouement et son engagement, cette équipe a fait preuve, malgré la modicité des moyens financiers et matériels, d'une intelligence et d'une dynamique unitaire pour faire admettre la pertinence de notre projet et les énormes potentialités de l'équipe qui le porte. Merci à eux de s'être engagés à mes côtés et d'avoir vécu pleinement cette campagne mémorable. Au vu de l'immense espoir suscité par la démarche, qui épouse parfaitement le désir de changement et le besoin de rupture, avec des politiques publiques désastreuses au plan économique, social, politique et des valeurs, je comprends aisément leur légitime déception. Mais je leur demande de relever la tête, car nous devons être tous fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous devons être fiers d'un bond exceptionnel et inédit, réalisé entre les élections législatives de 2017 et le scrutin de février 2019. Si cela a été possible, c'est parce que vous avez fait preuve d'un don de soi inédit. Je vous demande surtout de garder foi en notre cause. L'avenir, c'est maintenant. Cet avenir, si nous le voulons radieux, nous devons le préparer dès maintenant, en faisant preuve d'une grande capacité d'organisation et d'ouverture. Ainsi, l'espoir suscité par notre ligne politique sera entretenu, consolidé et transformé en force décisive pour les prochaines échéances électorales. Grâce à vous, cette initiative est devenue une force politique incontestable. J'invite donc tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises patriotes à nous rejoindre pour parachever la marche vers la vraie rupture. Sénégalais, Sénégalais, chers compatriotes, le combat continue. Nous devons garder le cap avec la même conviction, les mêmes valeurs, les mêmes principes et le même engagement. Vive le Sénégal, vive le peuple sénégalais. Je vous remercie.
Ah, yéen ngi dégg noonu le message. J' ai essayé de résumer succinctement en wolof. Waaw ñu dellu ko mu tëgg ko ci wolof. Di gërëm ñu ñëpp di nuyu mbokku Sénégal yëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam. Di wax ni dañoo génn ci lu am solo ci dundum askan muy élection bi ñu waroon tànnee ki war a jiite réew mi ci juróomi at yi ñu jëm. Commission nationale bi nga xam ne nag mooy saytu wat bi wala mooy dajale nit ñi wax na démb ay résultats provisoires. Waaye gis nañ ni élection bi bu amee ak bu jaaree ni mu mel li ko gën a waral mooy taxawaayu askanu Sénégal bi. Li ko gën a waral mooy taxawaayu suñu kilifa diine ak kilifa aada ci dalal ñëpp. Askanu Sénégal bi taxawaayam wanati na àdduna yëpp ñor gi mu ñor ci li jëm ci démocratie. Amul kenn ku ci gën a ñor askanu Sénégal. Waaye nag ñun dañoo jàpp ni kaddu askan wi nga xam ne jamono ju mel nii rek la ko askan wi mën a biral loo xam ne la lu ñu war a sàmm la waruñoo may kenn mu am sañ-sañ ba wëlba ci kaddu googu wala mu jëmale ko wute ak li nga xam ne mooy mbébétu askan wi wala mooy bëgg-bëgg askan wi. Gis nañ ni am na yu bëree bëri yoo xam ne am na ci njëlbeenu élection bi waaye ci biir élection bi yoo xam ne tey xajamal na mbir mi. Ñu ràññee ci yooyu taxawaay bi nga xam ne balaa élection bi di am nguuru candidat sortant di Macky Sall amoon na ko ci doxal doxalinu boppam moom dong ni ñuy tuddee processus électoral. Waaye gis nañu it bésu wat bi lii nga xam ne ci ay centre yu ñu taxawal la te jaarul yoon wala ay centre yoo xam ne limb ëpp na li yoon maye wala li ñu wax transfert directeur bëri na Sénégalais yu jóg war a dem wote te ñun ñëpp xam nañ ni wat constitution muy ndeyu charte réew bi moo ko may kenn ku ne amul kenn ku war a am sañ-sañu tere benn Sénégalais sax mu wote mu bëri Sénégalais yu taxaw xëy ci suba dem na leen ñu wote ñu ne leen du ngeen wote ndax bokku leen ci liste yi te boobu jamono seen carte d'identité dugal na leen ci liste yi ba joxañal leen bureau de vote bi ñu war a wote. Yooyu yëpp nag moo xajamal élection bi ba tax biñ ci gis génnee mbooleem seen candidat proposition yi te muy gureel Sénégal wala daal gëjoon nañ ko dégg diggante 2000 ak tey gureel Sénégal ñu génn ci élection ñu doon jàmmarloo candidat sortant bi yëpp kenn nangu ci reconnaître élection bi waaye kenn nangu ci jël téléphone am woote ne ma ngay félicité muy gureel ci Sénégal. Loolu li mu firndeel mooy mbir mi xajam na ba noppi am na lu ci ñuul. Ñu gis ni nag ànd ak loolu lépp ci li ñu gis ci ay tolof-tolof ñoom démb génne nañu ndogal jox président bi nekkoon fii jox ko ndam ne téeméer bu nekk moom am na lu ëpp juróom fukk ak juróom ñett yoo xam ne am na ko ci. Moo tax nag ñu nuyu woo opposition bi yëpp gannaaw bu ñu sargalee ñeenti candidat yi ndax ñàkkul ay pexe yu doon def pour mu am kenn ci ñoom kuy gaawal du àddu nangu résultat yi wala mu jël téléphone am woote waaye amu ci kenn koo xam ne nangu na ko. Gannaaw bu ñu leen sargalee ñu leen ñu woo ñoom waaye di woo opposition Sénégal bi yëpp ndax opposition bi gën naa yaatu ñeenti candidat yi. Di woo itamit société civile ak képp koo xam ne démocratie ñor na ko ci Sénégal pour ñu gën a biral xeex bi pour que nguur bi fi nekk dellu si xelam xam ni moomul dañ koo dégg
té lu ñëpp bokk nak dañ ko war di diso rawati nak li nga xamné moy charte yi wara doxal élection fi ci Sénégal motax ñu leen di jaajëfal yeen ñëpp di jaajëfal suñu mbokk presse bi ndax andon nañu ñun ci campagne bi dund nañu jafé jafé ci ñun ak ñun ñu leen di jaajëfal di leen gërëm ci seen taxaway di sant yalla nak bi ñu maye ñu mëna dajé ci tay ci jamm ak salam parce que jamm ci la lepp xaj ay fani fan lu mat ñaar fukki fan wër nañu Sénégal lañu gis bañu démé moy askanu Sénégal kenn gëm nga nek jambar lañu gis moy askanu Sénégal sonu lañu ba fu sonu yew gis nañu jigéen ñi rawati na ci all bi condition yi dundé yi def ay kilomètre kilomètre pour am ndox bu ñu toggé waxtu malade ñu arroser seen tool gis ndaw ñi toono ga ñu dëkké ba fo dé dañ naan gannaaw Jakarta am ñu leneen wala immigration clandestine gis problème yi nga xamné sénégalais jankonté dañu ak mom waye gis nañ ñi seen jakkaré waye andak lolou lepp gis nañ ni askanu Sénégal askan bu am dignité la askan bu faible la ci bopom askan la go xamné bu sigi la motax may wax man ak sama coalition mbékté li ñu am bi ñu yalla bolé ñu bokku ci askan bu melni askanu Sénégal ci campagne bi gis nañ tertu yi ñu tertu fepp ñu jaar bokk nañu wala doon nañu bennum candidat bo xamni ba 3h du matin nit ñi dañ nañu tok mat ay jooni jooni di ñu xaar te duñu leen jox fukki deureum degu ñu leen dara lu joxel di ñu am ci ñun askanu Sénégal daf ñu won joxel bo xamni neena kolité la go xamni liñ leen wax moy bu soobe yalla duñu mësa wor kolité gogu waye ci bir askan bobu dina sargal ndaw yi ndaw Sénégal jambar lañu jafé jafé ñu dundé ñepp xamné wayé suñu amé élection bo xamné taux de participation bi dem na donté nak ñom def nañu lepp pour yaq taux de participation ñu am taux de participation bo xamné kawé la liñ daan am Sénégal daf ndaw ñi taxaway ndaw ñi moko waral loolu muy firndel moy ndaw Sénégal dootu ñu nangu ñu lay def ndaw bu ñuy jëfëndikoo di leen yónni ñuy xeexe ci saaga di leen jox xaalis pour ñu nekk bétail électoral waaye jël nañu ñoom seen i matuwaay ndax léegi dañoo bugg seen loxo dugg ci liy defar réew yi ñu leen wax nag ni mu ngi leen di gërëm ci seen kóolute li ngeen di woon ci biir campagne bi dafa toyal suñu xol di daw suñu gannaaw ay kilomètre kilomètre ay xale yu ndaw ñoo xam ne ñenn ñi sax amuñu woon amaguñu at ñu wote war ñu joxel bu mat sëkk ak yaakaar rek yi ngeen am ci ñun ñu leen ñu wax ni seen i mag lañu seen i bàyyi lañu yéen lañu tax a di xeex te ñu leen ne bu leen xàddi bu leen découragé parce que la ca kanam moo tax bu soobe yàlla na ngeen continuer laxasaa yu takk la ngeen doon def na ngeen ko yokk bu doon benn da ngeen ci def fukk ndax projet bi ñoo ko bokk te ku xool ni élection yi bindoo xam ni yàlla xàllal nañu li ca des ñoo ko war a sàmmal suñu bopp ndax Sénégal kenn mënutu ko def wala kenn mënutu jëm fu sori ci Sénégal te bokk ñu si di jaajëfal jigéen ñi ci seen taxawaay ndax jigéen ñi mooy suñu yaay mooy suñu soxna mooy suñuy rakkat suñuy mag te alors tubaab dinaan jigéen dafa am 6e sens mooy am na lu muy yéeg ci yaramam bu gisee loo xam ne lenn ko di njëriñ la ci doomam te luy jëriñ ci doomam di jëriñ ci moom kon seen taxawaay rafet na ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di leen massawu coono yi ci li nga xam ne yéen a koy dund ci ay jafe-jafe ci biir Sénégal di gërëm waa diaspora bi ndax waa diaspora bi dañ ñoo sas ñun ndax seen taxawaay ci ñun benn yëkkati nañu seen i poos
Nous avons des citoyens qui ont fait des choses, mais ont fait des cautions. Ou bien vous aspirez à l'être par rapport à votre statut de
de révélation politique au Sénégal. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Mamoudou Ndiaye de l'agence France-Presse. Donc, est-ce que, selon vous, avec vos objectifs de performance, êtes-vous prêt à incarner un peu le renouveau de l'opposition sénégalaise? La deuxième question, sur l'affaire des 94 milliards, une commission d'enquête a été mise en place. Vous étiez occupé par la campagne présidentielle. Êtes-vous prêt à apporter des preuves à la justice pour que les Sénégalais qui aspirent à une indépendance et à une vérité puissent savoir les tenants et aboutissants de cette affaire de M. Diallo? Merci, Président. Bon, votre deuxième question est autre propos, mais je vais y répondre quand même. Ce n'est pas l'objet du point de presse. Vous avez dit, est-ce que je suis prêt à apporter des preuves à la justice? J'ai saisi la justice. J'attends que la justice me convoque. Ce n'est pas la justice qui m'a convoqué pour moi, pour des raisons qui me réprochent. C'est moi qui ai saisi le procureur. Je suis à la disposition de la justice. Pour la première question, le statut d'un acteur politique est déterminé par l'électorat. Et l'électorat nous a naturellement donné un statut. Ça découle de ce qui est sorti de cette élection. Et nous n'avons même pas attendu de cette élection pour assumer un statut d'opposant. Ce qui est sorti de l'élection n'est que la conclusion, l'aboutissement d'une posture et d'une position ces cinq dernières années. Donc c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, nous aspirions, nous assumions un statut d'opposant et d'acteur politique de premier rang au Sénégal, à côté d'autres acteurs politiques. Je vous remercie. Monsieur le Président. Il n'y a que question de comprendre la déclaration de presse bleue. Merci beaucoup, merci à vous tous et à très prochainement, Inch'Allah.